Ah, c'est peut-être pas. Salut à tous et bienvenue à la Terpenterie. Alors aujourd'hui on va un petit peu s'occuper de la 406 parce que bon c'est vrai que ces derniers temps on l'a un petit peu laissé de côté quand même, hein. On s'en est pas trop occupé. Pour vous mettre un petit peu en situation, je commence à arriver à la ferraille de mes plaquettes de frein. Vous me connaissez, je n'aime pas faire des travaux pour rien entre guillemets. Donc je me suis dit, est-ce qu'on en profiterait pas pour carrément y foutre des étriers Brembo? Hein, les fameux étriers Brembo de la 406 version V6 du coup. J'ai eu la chance d'en trouver pour pas trop cher, donc bon bah... Pourquoi s'en priver, hein ? On va réaliser ce swap, on va en profiter pour un peu rénover les étriers, par la même occasion. Donc dans un premier temps, les étriers, on va les nettoyer, on va les décaper propres et tout. Je vais essayer de faire sauter le vernis, parce que j'aimerais bien y remettre juste un petit coup de vernis. Juste un coup de vernis, pas la peinture et tout, parce que la peinture est plutôt en bon état en dessous. Je voulais en profiter pour refaire les joints des pistons. J'en profite pendant qu'ils sont démontés et tout, pour que je n'ai pas à les redémonter dans peu de temps, quoi. Et après, eh ben, on va aller les adapter... entre gros guillemets, hein, parce que bon, ça va quand même plutôt bien aller, il n'y aura pas trop de modifs à faire. Mais on va venir les adapter sur ma 406, qui est donc pas du tout un V6, hein, qui est un 2 litres 135 de 97. Donc les fameux non-mux pour les connaisseurs. Alors du coup, de quoi va-t-on avoir besoin pour réaliser le swap? Alors on va déjà avoir besoin des flexibles de frein. Pour les étriers Brembo, donc voilà, en fait, il faut tout simplement commander ceux pour le modèle V6. Donc il faut bien faire attention de prendre un gauche et un droit. Parce que voilà, en fait, comme vous voyez, là, il y a un coude. Et du coup, bah, de l'autre côté, il faut que ça soit symétrique. Donc voilà, du coup, on fait bien attention, gauche et droite. Flexible de frein pour la 406 V6. Les plaquettes de frein, donc, pour la 406 V6 également. Du coup, je me suis dit, tant qu'à faire, autant prendre full Brembo. Hein. Et une paire de disques. En 305 Brembo également, hein. Et naturellement, il faudra les étriers, mais les étriers, ils sont en bas dans le garage, donc je vous montrerai ça tout à l'heure. Allez, c'est parti. Et j'ai oublié de préciser qu'il fallait impérativement passer sur des jantes en 16 pouces pour que les nouveaux étriers puissent passer. Du moins, pour les jantes BBS d'origine. J'ai oublié car j'avais déjà des jantes en 16 pouces sur ma voiture. Enfin bref, vous avez compris. Voilà les fameux étriers. Donc comme je vous ai dit, en soi, la peinture, elle est pas morte, hein, mais voilà, c'est juste que le vernis... Voilà, il se barre, donc ça on va tout y faire péter. Et là, ben, c'est le kit de réfection d'étrier, donc c'est tous les joints nécessaires à la réfection des pistons. Alors si vous voulez une référence, c'est celle-là. Tout de suite, on va aller nettoyer les étriers, histoire d'enlever toute la poussière de frein et essayer de faire sauter un maximum de vernis. Je pense que je vous ferai quelques images du nettoyage en question, et nous on se retrouve tout de suite après. Bon bah voilà, les étriers tout propres. Enfin tout propre, j'ai fait comme j'ai pu quoi. Voilà, j'ai essayé de faire sauter un max de vernis, mais il n'y a pas tout qui est venu. Alors c'est celui-là, j'ai bien réussi. Bon là, c'est une trace de gras, mais sur celui-là, j'ai bien réussi à enlever tout le vernis, donc ça va être super propre. En fait, j'ai même presque envie de les laisser comme ça. Ils sont beaux, hein. Ah, ils sont beaux, mais ils vont être encore plus beaux vernis quoi. Ouais, ouais. Ils seront traités quoi. C'est clair. Puis là, putain, je suis en train de voir, c'est tellement beau les images avec le Sony là. J'adore. Là, les petits supports métalliques pour les plaquettes, pareil, j'ai essayé de les nettoyer un peu, donc bon, j'ai fait comme j'ai pu, mais c'est des pièces qui ont 20 ans. Pareil pour tout ce qui est des goupilles et tout. Bon voilà, j'ai fait au mieux. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer du coup les joints de tous les pistons. Alors pour ce faire, il faut se munir d'un compresseur, voilà, la bonne soufflette. On va venir envoyer de l'air dans l'arrivée de liquide de frein, hein, tout simplement. Général, hein. Et puis on va mettre une cale au milieu histoire de pas se prendre les pistons dans la gueule. Et normalement, dès qu'on va envoyer de l'air, les pistons ils vont sortir. Bon alors du coup aujourd'hui on va être avec le flow. Mais on s'est déjà rendu compte d'un petit truc. C'est que voilà, ça c'est censé être comme ça. Mais ça c'est cassé. Voilà. Les joies du marché de l'occasion, hein, n'est-ce pas? Donc bon, du coup on va essayer de percer pour y refoutre un rivet. Et puis bon, on va voir ce que ça va donner. Hein. Bah. Bon bah voilà.
histoire réglée. Ouais, il va dériver, alors attends. Ça, c'est du travail de précision. Hein. T'as un cire. Bah voilà, c'est réparé. Bon, du coup, on fait système D, on a trouvé une grosse éponge qui traînait. On va envoyer de l'air et normalement, bah, les pistons devraient sortir. Quand vous manipulez tout ce qui touche au freinage, voilà, les étriers ou quoi que ce soit, faites... Ah, merci, c'était parfait la lumière. Mettez bien des gants. Voilà, le liquide de frein est un des liquides le plus corrosif qu'on peut retrouver sur une voiture. Sur la peau et tout, ça défonce. Hein, clairement, ça, ouais. Ça bouffe la peau. Donc faites gaffe. Mettez des gants quand vous manipulez tout ce qui touche au freinage. Ah, c'est pas... Peut-être pas être bien étanche. Il y en a un qui est sorti. Oh putain, ah ouais. Ça rigole pas. Ouais, c'est sorti d'un coup. Hein. Il y en a un et l'autre, bah en fait ils se sont entrechoqués. Du coup là ils sont embutés. Ah oui, ils se touchent. Effectivement. Il faut bien repérer où sont placés les différents pistons et les différents joints. Vous noterez que Flo a mis des gants pour manipuler les pistons. Voilà. Waouh. Et ceux-là, je pense qu'il faut remettre un petit coup. Ouais, bah alors doucement. Ah, mais non, ça marchera pas, ça va sortir par les trous. Ah, attends. Ouais. Non. Effectivement. En fait, c'est pour ça qu'il faut sortir les quatre en même temps, parce qu'après, on se retrouve niqué comme ça. Bon, bah voilà, nos quatre pistons, ils sont sortis. Donc maintenant, bah, on va nettoyer tout ça, changer les joints, remettre les pistons avec les joints neufs, et on va pouvoir continuer. Lui, hop. Bien les repérer, c'est toujours mieux, comme on dit à chaque fois. Bon, en soi, il y en a un gros et un petit de chaque côté, mais ouais. Voilà, hop. Donc là, on sait que ces deux-là, hop, ils vont là. Parce que là, il y a du liquide qui s'est mis. C'est pour ça qu'il faudra les redégraisser. Alors, je sais pas si on va bien voir, mais là, à l'intérieur des orifices pour les pistons, on voit pas très bien, je vous mettrai une petite flèche, mais en gros, voilà, il y a encore des joints à changer là-bas dedans. Donc là, l'idée, ça va être d'essayer de les choper avec un petit tournevis ou quelque chose comme ça, mais par contre, faites super gaffe à pareiller la surface à l'intérieur, parce que après, ben, après, c'est mort, quoi. Voilà. Là, l'idée, c'est de venir enquiller le tournevis sous le joint. On y va tout doucement pour pas abîmer la surface. Et une fois qu'on a réussi à l'attraper, ah, bon bah là, loupé. Donc là, on y va tout doucement, on le soulève, et voilà, là tu vois, il sort. Donc après, bah, on fait tout le tour, hop, on l'attrape avec le doigt, et voilà. Et on le range avec ses copains. On a bien retiré les caches poussières ainsi que les joints qui étaient dans les gorges. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit coup de soufflette histoire d'évacuer toutes les petites impuretés et on va remonter les pièces neuves. Alors fais voir là si je mets là directement. Ah ouais, ça marche aussi. Voilà, bon ben... Allez, on va mettre les joints neufs. C'est parti. Hop. Là, et puis il me reste plus que celui-là. Donc du coup, bah, pour les mettre, vous faites un peu comme vous pouvez. Donc moi, ce que je fais, c'est que je l'enquille déjà comme ça. Voilà, ça va être compliqué pour que vous puissiez voir quelque chose, parce que je vais avoir les doigts dedans, mais là, voilà. Là, il est rentré en dessous. Voilà, voilà. En fait, ce qu'il faut, c'est déjà le rentrer d'un côté, voilà, et une fois, on voit bien, là. Une fois que c'est déjà rentré comme ça, c'est plutôt bon signe. Puis maintenant, bah, avec le doigt, il faut faire le tour, en fait. Ah, mais c'est bon, regarde. Hop. Et voilà, là, il est enquillé. Je sais pas si on voit bien. Si. Voilà. Bon, on va remettre un petit coup de soufflette là-bas dedans et on va remettre les pistons. Pour remettre les joints cache poussière neufs sur les pistons, on prend un petit peu de graisse. Voilà, donc on en met un peu de partout autour. Voilà. On vient prendre le cache poussière, on le met au-dessus, donc on le fait déjà prendre sur le côté. On fait comme ça. Voilà. On a juste à le faire un peu tourner comme ça. Et voilà, mais il se met en place tout seul. Il faut bien contrôler que dans la petite gorge derrière, ça soit bien passé de partout, qu'il n'ait pas de replat ou quoi. Et là, c'est tout bon. Maintenant, pour le réinsérer dans l'étrier. Donc pareil, on va prendre un petit peu de graisse et on va venir, et ben voilà, un petit peu graisser tout l'alésage de l'étrier. Hop. Maintenant, on prend le piston, on repère le bon alésage. Là, on vient l'enfoncer comme ça. Donc là, il y a toujours un petit moment où ça force. C'est parce que ça doit passer le joint qu'on a mis à l'intérieur de l'alésage, le joint d'étanchéité. Donc là, voilà, faut. On sent que ça vient tout doucement. Ouais, c'est un peu galère, mais... Ah, voilà. Là, c'est passé. Là, on y va doucement. Voilà, on fait bien attention que le joint, il prenne bien autour.
Voilà. Ah, et le but, c'est que notre joint doit venir à fleur. Voilà, en fait, il doit pas dépasser là par rapport à l'étrier. C'est-à-dire que si on se met parfaitement de profil, voilà, il doit pas dépasser, on doit pas le voir dépasser. Tu veux améliorer le comportement de ta caisse avec des amortisseurs sur lesquels tu peux même faire graver ton nom ? Senki. Tu as la folie du détail et tu offrirais bien à ta voiture des petits écrous de couleur en aluminium forgé ? Senki. Ton tableau de bord manque d'infos et tu aimerais en savoir plus sur ce qui se passe dans ton moteur grâce à des manomètres ? Senki. Tu veux impressionner tes potes en ayant la possibilité de pouvoir retirer et remettre ton volant en un temps record ? Senki. Et surtout, n'oubliez pas qu'avec le code TERPENTRY5, vous allez pouvoir bénéficier d'une réduction de 5% sur tout le site Senki. En plus de ça, des nouveaux articles vont bientôt faire leur apparition. Restez connectés. Maintenant, retour à la vidéo. Et voilà, nos étriers sont prêts. Ben, on les a bien dégraissés, on a masqué les parties sensibles et on va passer la petite couche de vernis. Ah, ça va être si beau. Voilà le résultat après deux couches de vernis. Donc ça commence à avoir de la gueule, hein. On va pas se mentir. Ça a même carrément de la gueule. Ouah, là on voit bien le petit reflet. Donc là, on va y laisser sécher comme ça à température ambiante pendant une heure. Et ensuite, il nous restera plus qu'à mettre un petit coup de pistolet thermique à 160 degrés très exactement pour faire durcir la surface du vernis et puis rendre le truc plus résistant. Voilà. Et plus lisse aussi certainement. On verra ça. En tout cas, c'est beau. Ça y est, ça fait une heure. On règle le pistolet thermique sur 160 degrés et puis on va faire durcir le vernis. Du coup, j'ai l'impression que le fait de chauffer, ça a lissé le vernis parce que là, on a vraiment une grosse peau d'orange, ça se voit. Celui-là, on l'a pas encore chauffé. En fait, ça dépend un peu de l'angle, hein, j'ai l'impression. Non, je sais pas, ça a l'air quand même bien lisse là. Hein. Enfin, bien lisse, tout est relatif, ça reste un étrier, calmez-vous. Voilà le résultat final les amis, franchement je suis plutôt fier de nous. Alors je sais pas si ça rend bien à la caméra, parce que bon voilà, la caméra ça fait ressortir tous les défauts. Pour avoir juste remis un coup de vernis, je suis quand même plus que satisfait. Bah maintenant, bah, il manque plus qu'à aller les mettre sur la voiture. Alors c'est comment la mécanique sur les Peugeot ? C'est tout autant grippé. Ah ouais ? Ouais. Ah parce que c'est du Macpherson comme ta Golf, donc du coup je me suis dit peut-être que tu retrouvais un peu des trucs, non ? Ah oui, mais par contre c'est exactement pareil. Ah, ça va. Non, après, tu sais, à force d'en chier, tu sais, avec les trucs grippés, on adopte des techniques. Ah non, là, c'est un peu plus compliqué. Plus la barre à mine, elle passe pas. Oh, j'y arrive pas. Attends, je vais essayer. Ouais. Et voilà. Donc là, le disque, il est tout nu. Donc là, il va nous rester à démonter déjà le flexible de frein, faire la vidange. Ensuite, changer tout ce qui est durite qui vient être pris sur la jambe de force de l'amortisseur. J'ai bien récapitulé. Ouais, bah c'est à peu près ça. Hein. Ouais. Enfin, c'est ça, oui, c'est ça. Allez, go. Voilà. Bon, bah du coup, maintenant, faut enlever le disque. Donc, t'as bien enlevé les deux petites vis. J'ai enlevé les deux petites vis qui étaient ici, qui d'ailleurs n'étaient pas grippées. Ah. Voilà. Une grande première ça. Voilà, et ensuite donc on maintient un peu notre étrier et on sort le disque. Et on repose l'étrier de façon à qu'il se casse pas la gueule. Et que ça tire pas sur le flexible. Voilà. Enfin quoique on va le changer en fait. Ah ça c'est beau ça. Ils sont pas énormément plus gros hein, finalement, mais suffisamment pour que ça soit cool. Qu'est-ce qu'il y a ? Bah il a pété. C'est quoi qui a pété ? Tu sais, en gros, c'est un machin, là. Et en gros, il fallait le lever pour pouvoir sortir ce truc-là. Ouais. Et en gros, il a pété à sa jonction. En même temps, c'est super fin. Ouais, mais bon, ça a l'air de tenir, quand même. Ouais. Oui, non, oui, ça va, ça tient bien. Maintenant, clé de 11. À l'avance, j'avais déjà un peu dégrippé, hein. Merde. Bah oui, si j'appuie sur le bidon. Je me disais, mais attends, c'est bien noir, là, ce qui est cool. Bon, c'est... C'est du 11, mais qui rentre partout. Hein. Voilà, donc on le rappelle, hein, on met bien des gants pour ce genre d'opération. Le liquide de frein, c'est très 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 corrosif. Ah putain. Plus de batterie ? Ouais. Merde, il va falloir monter les ISO ! Ça le flash ? Ou t'as un truc ? Non, il n'y a pas de flash. Voilà.
Ah, attends. Ouais, non. Là, y a rien. Ça coule pas ? Si, un petit goutte à goutte. Moi, je pensais qu'il allait avoir un petit jet quand même. Peut-être que la durite, on peut la fixer avec la tête vers le haut. Bah, j'aimerais bien qu'il coule un maximum comme ça. Quand on va démonter ici, on n'aura quasiment plus rien et ça risque pas de couler. Ah oui. Voilà. Mais en attendant, ce qu'on peut déjà faire, c'est fixer le disque. Je peux venir voir ? Non, pas tout de suite. Et là, je peux venir voir ? Deux petites secondes. Ah. Allez, t'as le droit de venir voir. Ce bruit m'a plu. Ah, c'est beau quand c'est neuf, je le dirai jamais assez. C'est beau, hein? Ah bah ouais. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? C'est gros. Bah c'est ce qu'il faut de toute façon, hein. Ah bah tu mets oui. Pas des étriers Brembo avec du freinage de merde, hein. Voilà. Donc là, on a une partie femelle et on a notre écrou qui est juste au-dessus en mâle. Ça croustille dans le filetage. Mais vu que ça croustille, est-ce qu'on peut dire que la 406 elle est jaune cornflex? On peut dire ça, oui. Là, vous avez le filetage donc qui vient se prendre dans le femelle. Et normalement, hop, je tire. Et c'est bon. Cassé. C'est quoi qui est tombé? La graffe qui vient maintenir le tout. Ah oui. Donc là, du coup, on enlève les anciens flexibles de frein pour mettre ceux du modèle V6. Ouais, bah on va laisser couler un peu. Hein. Parce que je veux attendre qu'il n'y ait plus rien pour après nettoyer les filetages correctement. Oh, tu fais ça bien en plus. Alors attends, du coup, je vais mettre les ISO automatiques. Avec les ISO automatiques, c'est bon les ISO auto. C'est beau. Oui, je découvre encore un petit peu le fonctionnement de ce nouvel appareil, hein, bien sûr. Donc là, tu vas me dire qu'est-ce que je fais. Bah Flo, il nettoie les filetages avant de remettre des étriers. Attends, mais c'est quoi ces vis là? C'est les vis qu'on va mettre. Mais non, c'est pas les bonnes. Là, il faut mettre les vis Brembo. Pardon. Tu comprends au montage. Celles qui sont ici. Bon, et eh ben attends, je refais pareil avec les vis Brembo. Tu comprends au montage. Je dis ça en vrai, mais je sais pas s'il faut absolument mettre les vis Brembo, enfin les grosses torques. Bah, elles sont quand même plus grosses, hein. Elles sont plus grosses? Ah bah oui. Tu vois, ouais, bah voilà, tout simplement, on va voir la différence. Puis t'as plus de filetage quand même, hein. Alors attends, petite mise au point du seigneur. Ouais. Non, non, mais je pense qu'il faut bien, bel et bien mettre les vis Brembo. Il manque une petite rondelle là pour les vis. Oui. J'en ai reçu que 3 malheureusement. Je crois que j'ai ça. Oh. Ah, presque. On n'est pas loin. On n'adapte pas des rondelles, nous. Nickel. Ah, et bah ben, l'étau, il a pris un coup. Oh, ça, c'est encore plus beau. Regardez ça, il a percé l'étau, ce narvalo. Attends, j'arrive. Attends, projecteur. Projecteur. Hop. Et la lumière fut. Tiens. Merci. Donc là, on fait toujours attention à cette gaine. Ah, d'ailleurs, ça coule plus. C'est qu'il n'y a plus de liquide. Hein. Attends, fais voir. Il n'y a plus de liquide. Allez. Liquide de frein. Tu me fais agresser. Voilà. Le liquide de frein Brembo aussi. Je me suis fait un petit plaisir. Je sais, ça sert à rien, mais vous me connaissez, j'aime bien quand c'est carré. Et oui, je me suis fait attaquer par notre atelier de peinture. Là. Alors du coup, pour préparer un étrier Brembo, comment ça marche, me direz-vous? Je vais vous montrer. On dirait un tuto cuisine. On prend la plaquette. On met le fil vers le haut de l'étrier. Hop. Comme ceci. Et la plaquette, on vient la positionner comme ceci. Voilà. De manière à ce que les trous de la plaquette soient alignés aux trous de l'étrier. Et de une. Et de deux. Ouais, il y a toujours un côté où ça rentre mieux que l'autre. Hein. Maintenant. Voir un petit peu. Ouais, mais là, oui, ça, là, faut que je la tienne. Voilà, c'est normal. De toute façon, avec les goupilles qu'on va enfiler. Après, ça ne bougera plus. Maintenant, on prend donc cette pièce en métal, on vient l'enquiller dessous. Ça vient en tension comme ça en fait. Là, on vient faire passer la goupille, ça passe par-dessus. Maintenant, avec un chasse-goupille, eh ben, on va les réenquiller correctement. Où est le chasse-goupille? Un marteau déjà, marteau. On fait bien passer le fil là dans le passe-câble, celle qui est de ce côté-là, du côté intérieur du véhicule. On la fait passer comme ça et là ça passe dans la petite encoche. Et maintenant on va réenquiller les goupilles. Donc on prend un chasse-goupille, un petit marteau. Attention les oreilles. Alors attends, faut que je le cale. Voilà. Voilà. Et là ça bouge plus. Ça bouge plus, les plaquettes sont prêtes. Bon, après elles vont être compressées contre le disque, donc elles vont prendre forme. Ouais, puis en fait elles viennent coulisser là sur, voilà. sur la goupille. C'est ça. Fait, tu vois. Mais on va déjà voir si ça gêne pas pour le petit rivet qu'on a mis, ne gêne pas par rapport au disque. Alors attends, je n'y vois rien.
Voilà. Et oui, voilà. Parce le petit rivet qui est au fond. Le petit bricolage qu'on a fait, j'espère que ça va pas toucher le disque. Vas-y, essaye de le présenter, voir ce que ça donne. Bah c'est quoi, on va déjà mettre les vis et puis on va voir. On va faire tourner le disque. Ah, c'est beau quand même. Je suis pas du tout en face. Alors, une vis, deux vis, une vis. Oh, ok. Ça ah, c'est bon, hein. Là, vas-y, fais tourner le disque. Putain, ça passe limite hein, quand même. Hein. Non, mais ça frotte pas. Voilà. Voilà. Ben ouais, nickel. Hop. Histoire que ça se promène pas trop, là. Voilà, c'est parfait. Vu qu'il manque le passe-câble, là, de ce côté. Alors, nos étriers sont installés des deux côtés. Donc, côté conducteur, côté passager. Maintenant, il nous reste plus qu'à faire la purge. La purge. La purge du liquide de frein. Alors, dans un premier temps, on va remettre bah, du liquide dans le bocal de liquide de frein. Parce que là, il est complètement vide. Bon, voilà, le liquide de frein est de niveau. Maintenant, on va passer à la purge. Donc, pour purger les étriers Brembo, c'est dans un ordre bien particulier. Donc là, je suis côté conducteur. Donc, il faut faire extérieur, intérieur. Flo, il casse tout. Donc, en gros, ça fait 1, 2. Là, il faut faire 3, 4, 5, la roue arrière conducteur. Et 6, la roue arrière côté passager. C'est... On branche notre petit bocal de purge avec la petite durite sur la vis de purge, hein, tout simplement. Là, il y a Flo qui va pomper sur la pédale de frein. Alors, vas-y, pompe, 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 pompe. Ah, ça arrive, ça arrive. Ah merde, ça coule, il y a une fuite. Il y a une fuite où ? Oh putain. Bah sur l'étrier. Non. Oh là là. Après cette terrible nouvelle, nous avons décidé d'abandonner pour ce soir et de re-regarder le lendemain à tête reposée. Et du coup, voici le verdict. Yo l'équipe, bon du coup je viens un petit peu aux nouvelles là, enfin je viens vous amener des nouvelles pardon concernant les étriers de la 406. Ben voilà, en fait vous voyez il manque un morceau sur le joint là, donc c'est pour ça que ça a dégueulé. Donc je vais remettre un des anciens joints, ils sont encore bien souples et en bon état. Et on va voir ce que ça donne. Bon voilà, mission accomplie enfin. Oh putain par contre, ah ces jantes elles sont faites pour quoi, hein, c'est... il faut pas moins, hein, faut pas plus petit. C'est bon. Finalement, tout est bien qui finit bien.